rien, c'est sûr, mais je... Ce jeu est très particulier au niveau... Au niveau de la musique. Voilà, si on ne met pas appliqué, ça va pas aller. Merde, voilà. Là, je remets ma playlist. Certes. Allez, let's go. Voilà. Parfait. Déjà ça va beaucoup moins vite. Hein. Hop. Au moins comme ça je pourrais avoir un pourcentage de complétion sur ce jeu. Ça ferait un quatrième jeu fini. Enfin pas fini. Quatrième jeu enregistré on va dire. Ce qui serait déjà pas mal. Pour le moment, j'ai fait. J'étais tout juste pour l'effort des deux. Je suis à 101 points, je ne sais plus combien ça fait exactement en temps. Castlevania, j'ai fait la complétion. Je suis arrivé au niveau 5-2 de Castlevania. Et j'ai fait 23 minutes sur Trackmania. Mais voilà, c'est pas grand chose, mais je suis déjà content de... Putain, ce début est très compliqué. Pardon. Donc voilà, déjà 3 jeux que j'ai pu au moins essayer de faire. Castlevania, il faut vraiment que j'améliore, clairement. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Non, c'est pas forcément une priorité, vu les jeux d'abord du Tetrathlon. Enfin, pourquoi je dis ça, mais je fais du Trackmania et je fais du Trias. Mais voilà. Faudrait que je me mette à Super Mario Bros. 2 aussi. En fait, ouais, je veux vraiment que je me mette à fond
au premier jeu à finir, quoi. Parce que là, je suis un peu parti sur les jeux que j'aimais bien ou qui me disaient bien. C'est plutôt ça. Et là, maintenant, il faudrait vraiment que je me mette au jeu. Il faut finir. Avant tout. Oh merde, celui-là est compliqué le final. Sinon le reste est assez simple à gérer. Oh le crash sur la ligne quoi. Ouais voilà. Megaman je connais pas du tout en plus. C'est vraiment tout le monde en parle, tout le monde en parlait en tout cas à l'époque où j'avais la Super Nintendo. Mais j'y ai jamais joué. J'ai jamais testé un Megaman et donc ça va être une vraie surprise. Parce qu'apparemment c'est un must pour les speedrunners. Et l'effort des deux, franchement, j'ai vraiment du mal à améliorer ce temps. Enfin, j'ai vraiment du mal à accrocher à ce jeu. À me dire, ok, je vais le speedrunner. Autant le jouer comme ça avec des potes, ouais, sans problème, mais le speedrunner, c'est compliqué, hein. C'est tellement aléatoire au niveau des spéciaux. En plus, en mode avancé, j'avais toujours l'habitude de jouer en mode normal. En mode avancé, je perds de la vie, mais vache qui pisse. Merde. Oh merde! Je me suis pas arrêté à temps. C'est la chute. C'est la rechute. Je m'en sors bien. Je m'en sors très bien. Oh là là, c'est difficile de trouver le bon freinage en fait.
là 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 là, ce freinage. C'est juste là que je bloque, hein. Oh, ça va, ça passe. Je commence à connaître. Ouais, à part là. C'était beau. C'est pas mal ça. Bon. Il serait de bon ton de terminer cette map. On va y arriver, hein, petits amis. On va y arriver. C'est déprimant. On va y arriver. Finally. T'as 9 minutes quoi. 9 minutes pour faire un track. C'est assez chaud. C'est la chute. Oh oui, ça c'était beau. Ce petit cassage de nuque. Petite fracture qui fait du bien. Ah oui, pas mal. Vraiment l'impression que la moto s'est retournée toute seule, mais d'un coup.
prendre ça de ma faute. Du coup, je découvre. J'étais perturbé par ces bruits de loups au fond. C'est rassurant. Un masochiste voilà qui un petit un masochiste qui s'ignore. C'est un pauvre ragdoll qui espérait avoir une meilleure carrière, qui espérait finir dans GTA. Il pouvait se promener tranquillement dans une ville et non, il finit sur une moto. À essayer de... essayer de survivre. Ce qui est déjà pas mal. Il me semble que je l'ai passé du premier coup, celle-ci. La première fois que je l'ai faite. C'est ça qui m'ennuie un petit peu. C'est ok. Voilà, ce fut long. C'est reparti. Hop. Oh oui. Cette tentative de nose manuelle est assez impressionnante. J'appelle ça nose manuelle de ma pauvre époque Tony Hawk Pro Skater. Le nose wheelie. Oh, la chute juste avant. It's ok, it's ok, it's ok. Ah, it's ok. Il a tenté de garder l'équilibre, mais malheureusement, il n'a point tenu. J'espère chaque fois, je me dis, allez,
en mettant bien son poids tout à l'avant, il peut peut-être survivre. J'ai beaucoup d'espoir. Je suis un optimiste de nature. Ah. C'est la chute. J'ai mis trop de vitesse. Je crois que c'est vraiment le jeu de la patience. Autant Trackmania c'est l'endurance, autant ici c'est, ouais, c'est la patience, je trouve, de recommencer, de dire ok c'est pas grave, j'ai foiré mais ça va aller mieux. Ok. Bon, tous les 35 minutes, certes, mais bon. On n'aurait pas fait beaucoup sur les 35 minutes. Non, non, non. Merde. Et c'est vrai que je me rends compte de ce que disait Twin hier, il dit... Tu sais, le problème de Trails, c'est que tu sais que c'est toi qui as fait une erreur, tu vois l'erreur qui vient d'être commise, t'essayes quand même de la réparer, mais il n'y a jamais moyen de la réparer. Et ça, je m'en rends compte là. Franchement, le nombre de petites erreurs à la con... Tu sais jamais récupérer quoi. C'est vraiment... Non, tant pis, t'es obligé de recommencer. C'est un peu sale. Mais bon. Avec de l'entraînement, ça doit venir sans problème. Je... Oh, joli ça. Ça doit venir sans problème, mais bon là... Non, non! Putain! C'était beau. Qu'il y aura beaucoup de temps sur Trials, hein. Franchement, quand je vois le temps que ça prend, bah là en même temps c'est la première fois que je joue, mais il suffit d'une erreur et tu recommences tout, donc ça va très vite pour perdre du temps, je trouve. Thank you.
Et putain, ce passage-là. Mais non, j'essaie de passer par en dessous. Hein. Pas mal ça. Ah oui, non, non, mais je voulais dire pas forcément me mettre 200 points, c'est surtout déjà. Déjà réussir ouais, à compléter les 100 points, je pense que là-dessus sur Trail ça va être chaud. Faut déjà bien s'entraîner quoi. Parce que. Du mal avec ce passage là, que le reste ça passe comme sur du velours. Je pense que c'est la moitié. Je pense que c'est juste les deux premiers mondes. Le premier monde ennemi. Je pense que c'est ça. Et à vérifier. J'avoue que j'ai pas encore tout en tête au niveau des objectifs à atteindre. Putain. La simple petite accélération, quoi. C'est pas mal ça. Putain. Donc Rocksteady, si jamais je veux mettre un temps. Donc pour complétion, je pense pas que je serai au top. Hein. Ah bon, c'est une première, c'est cool. Celle-là, j'avais galéré.
voir ce que ça donne ici. Ouais. Ouais, quand il y a des trucs comme ça, on va le faire. Faut que je freine parce que je pense que je passerai pas le looping. Merde, bien passé pourtant. Et j'ai été surpris justement de bien passer. Oh, oh, oh. C'est pas grave, c'est ok. Oh! Oh! Merci, Jerry. Bonne journée à toi. Oh la vache! Faut vraiment jouer de l'accélérateur et du frein ici. On va y arriver. Bon, je vais arrêter d'essayer de passer par au-dessus. On va essayer de passer par en bas. Oh merde, j'étais passé. Allez. Aller jusqu'au bout de ce jeu. Nous allons évidemment tout faire pour. Oui, c'est passé. Oh non! Ah, le dernier saut vraiment dégueulasse. Faut l'avouer. C'était beau. Ça passe pas. C'était bien tenté pourtant. C'est magnifique. Oh!
Merci. Putain. Ce fut chaud. Quand même, bon 40 minutes. C'est long, hein. Ça c'est chaud. Ce passage-là va vite m'ennuyer, je pense. Merde. J'ai légèrement été vers la droite, ce que je n'aurais pas dû faire. Ah, là aussi, même chose. C'est vraiment d'aller dans le sens de... du saut, quoi. Qui est assez compliqué, à fond. J'étais trop en arrière. J'aurais dû poursuivre le front flip là. Jusqu'ici, va bien. Oh merde, putain, j'arrive pas à passer celui-là. Il faut que j'essaye d'aller en arrière puis en avant. Et je pense que c'est comme ça la bonne manière de le passer. Mais bon. C'est pas. Oh le... C'était passé tout de suite tantôt. Je pense qu'après celui-là, je vais arrêter. Parce que... Ça fait une bonne dose de 2 heures. J'avoue avoir besoin d'un peu de repos. Certes. Je continuerai à mon avis peut-être...
hors stream pour voir, mais voilà. Celui-là va vraiment me poser beaucoup de problèmes. Dans les autres, j'avais vraiment... c'était surtout des erreurs de ma part. Autant ici... Le coup des petits sauts avec les geysers, ça m'ennuie quelque peu. Si je fais en plus n'importe quoi, ça n'aide pas. C'était beau ça. Ça aussi. Comme deux niveaux, j'ai mis 9 minutes et 8 minutes. Donc on est dans la bonne moyenne. Ce truc là, ce geyser de côté, d'accord, c'est n'importe quoi. Quand ça veut pas, ça veut pas. Comment je fais là? Là je suis tellement crevé que je fais n'importe quoi.
par exemple ça. Allez. Je reconnais avec Trackmania, encore 3 essais. Sinon, je me casse. Tiens, j'arrive plus à passer ça, quoi. Putain. C'est incroyable. Allez, dernier. On va s'arrêter là, je pense que c'est déjà pas mal. Le soleil revient et se fait chaud mon visage. Bon, eh ben merci de m'avoir suivi, on va... Je pense que je vais réessayer du Trials tranquillement, sans stress, hors stream. En attendant, là, je vais couper, ce sera déjà très bien. Je referai certainement un stream soit demain, soit mercredi. Non, pas mercredi. Soit demain, soit jeudi. Merci à toutes et à tous. Et n'oubliez pas d'aller sur ultimedecathlon.com si vous voulez. Allez vous inscrire pour l'Ultime Decathlon 3, c'est cool. Il y a déjà plus de 600 personnes inscrites. Donc n'hésitez pas à y aller. A bientôt, ciao ciao.